Bonjour à tous et merci de regarder cette vidéo. J'espère que vous allez bien. Je tiens à remercier tous les abonnés actuels. On a dépassé la barre des 1100. C'est vraiment extraordinaire. Et j'espère que toutes mes vidéos, tous ces tutos, toutes ces présentations continueront à vous plaire. Aujourd'hui, une présentation d'un nouveau produit, un nouvel appareil ultra miniaturisé. C'est un PC portable qui va rentrer dans votre poche de pantalon. Alors ce PC portable s'appelle la JOSBox, équipé aujourd'hui d'une option qui va être VocaBox. Le principe de la JOSBox, c'est de pouvoir partir de chez soi en vacances chez des amis avec son ordinateur dans la poche. Pour vous dire, au niveau de la taille, on est donc sur un mini ordinateur qui fait 21 cm sur 14 cm sur 6 cm. Vraiment quelque chose de très petit pour un poids de 600 grammes. Vous allez voir donc aujourd'hui le déballage, l'allumage et tout ce que comporte la JOSBox, tout ce qu'elle peut vous apporter, puisque à l'intérieur, beaucoup de choses qui vont vous intéresser. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, car à la fin de celle-ci, il y aura un petit concours. Voilà donc, je vous remercie beaucoup de regarder la vidéo jusqu'au bout. Comme d'habitude, le carton est posé sur le bureau. Alors c'est un petit carton classique avec une étiquette inscrivant les coordonnées de la société donc, qui vend l'appareil. La société donc Cessia. Ici, ils me l'ont prêté, donc je vous en fais donc le déballage et la démonstration. J'espère que celle-ci vous plaira. On va rentrer tout de suite dans le déballage. Alors, de quoi va être équipé notre JOSBox? On ouvre tout de suite le carton. Tout de suite, l'ordinateur. L'ordinateur qui est dans un petit sachet plastique et qui ressemble à ce que j'ai ici dans la main, que je vous mets en très gros sur l'écran. Voilà donc votre portable, votre nouveau portable. Alors, en mémoire, qu'est-ce que l'on va trouver dans cette JOSBox? On va trouver 128 Go de mémoire interne, 2 Go de RAM, un processeur quad-core Intel Atom Z373-5F cadencé à 1,3 GHz. Un port Ethernet, une connexion Wi-Fi, un connecteur Bluetooth, une prise HDMI, deux ports USB et un port micro USB sans l'adaptateur. Une prise jack 3,5 cm, une paire d'enceintes Logitech 2.1. À l'intérieur, qu'est-ce qu'on va trouver? On va trouver un Windows 10 professionnel, un JAWS 18 OEM, le localisateur Skype, un pack office Word, Excel, PowerPoint, Outlook. Ce pack office est de 2010. Étant donné que vous êtes sur un PC portable, vous allez ensuite pouvoir ajouter à votre guise des applications que vous avez l'habitude d'utiliser sur votre Windows. On a une option VocaBox. Dans le package qu'on va déballer, on va trouver une télécommande. Exactement la même télécommande que vous allez trouver sur la VocaBox. Lors d'une de mes vidéos, j'avais présenté le clavier que je vous mets face à l'écran. Ce clavier est compris dans la JOSBox, un clavier de PC muni d'un pavé numérique pour les raccourcis clavier, pour ceux qui travaillent avec des raccourcis clavier au pavé numérique. Ce clavier est Bluetooth, ça fait vraiment beaucoup de choses pour ce petit ordinateur portatif. Le chargeur de piles pour recharger les piles, puisque dans la télécommande ce sont des piles batterie AA. Le chargeur est donc livré avec. On va continuer la suite du déballage. Dans le fond du carton, on va trouver le câble Ethernet qui va vous permettre de la connecter à votre box. Mais si vous le désirez aussi, vous allez pouvoir la connecter en Wi-Fi sans aucun souci. On a ensuite la télécommande à reconnaissance vocale pour l'option VocaBox. Son câble d'alimentation en prise murale, un câble HDMI. Équipé d'un clavier Bluetooth. Une vidéo que j'avais faite dernièrement
ce clavier est donc livré avec la JustBox. Il est donc possible avec ce clavier de se connecter jusqu'à 5 appareils différents. Alors, qu'est-ce qui va être faisable avec notre JustBox? Il va être faisable de se servir mini PC sans écran. Puisque équipé de Jaws, vous allez avoir toute l'accessibilité vocale via le lecteur d'écran Jaws 18 et vous allez pouvoir naviguer à l'intérieur sans problème. Vous allez avoir, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le pack Office 2010, donc faire du traitement de texte sans problème. Outlook 2010 et la gestion des mails. Vous allez pouvoir brancher grâce à la prise HDMI votre JustBox à votre télé et vous servir donc de votre télé comme écran d'ordinateur. Donc suivant la taille de votre écran de télé, vous allez vraiment avoir un PC très conséquent. Avec l'option VocaBox, regardez toute la TNT sur votre télé. Avec sa télécommande à reconnaissance vocale, vous allez pouvoir gérer toutes les chaînes, enregistrement y compris radio sur votre télé ou directement sur vos haut-parleurs de votre JustBox. La gestion de la JustBox se fait donc avec le clavier Bluetooth et grâce à ce clavier, vous allez donc pouvoir gérer sans problème votre Ultra PC sans fil. Ce clavier n'est disponible qu'avec la livraison de la JustBox. On ne peut le trouver séparément. Grâce à ce clavier, vous allez pouvoir aussi vous connecter sur 4 autres appareils différents, que ça soit Android, iOS ou même Mac. Je vais donc brancher tout de suite cette JustBox à ma télé et vous filmer le résultat final. Et vous allez voir que vraiment, cette JustBox est très complète, car étant donné qu'elle tourne sur un Windows 10 professionnel, vous allez aussi pouvoir profiter de Cortana, de toutes les applications Windows 10, actualité et autres. Donc comme vous voyez, quand même quelque chose de très complet. On va tout de suite passer à la télé et vous faire montrer comment cela fonctionne. Alors, comme vous pouvez voir, on a démarré sur la JustBox. On s'est mis en HDMI sur la télé et ensuite, on s'est directement connecté en Ethernet. On a positionné sur notre télé le bon HDMI, ici HDMI 1. Et la JustBox démarre. La musique de Windows, on est donc sur notre télé. Et vous allez voir que on a toutes les possibilités d'un PC. Jaws édition familiale à usage non commercial. Bureau. Vue de liste. Non sélectionné corbeille. 1/13. Voilà, donc comme vous pouvez voir ici, on va pouvoir aller sur le menu démarrer. Édition menu. Complètement accessible. On va aller par exemple sur WORD. Word. Entrée. Fermeture des menus. Bouton annulé. Ouverture Microsoft Word. Document à Microsoft Word. Imprimé. Voilà, on est sur la télé avec notre clavier et notre système d'exploitation Windows 10 Pack Office 2010. Bonjour. Tout. Abonné. I. E. Alors, comme vous voyez, on a vraiment accès au Pack Office ici, Word 2010. YouTube. Bonjour à tous les abonnés YouTube. Ici, on va pouvoir sélectionner, supprimer, on va pouvoir fermer Alt F4. Microsoft Word, bouton enregistrer, Alt Tab, bouton ne pas enregistrer, espace, bureau, vue de liste, non sélection. On va avoir accès à Skype. Menu FK, Bad I, E, PE, entrée, fermeture des menus, Skype, vue de liste, Skype, 2/13. Ici, vous voyez, donc, on a sans aucun souci la possibilité de communiquer avec nos amis par Skype. Alt F4, TeamViewer 10, emplacement TeamViewer. Un TeamViewer a été installé si vous rencontrez des problèmes pour pouvoir faire une prise à distance et vous dépanner. Excel 2010, Internet Explorer, recherche et affiche des entrées. Internet Explorer.
N. Menu contextuel. Bap N. Fermeture des... On peut, si on le désire, aller sur Internet Explorer et chercher par exemple... V... FR. Entrée. Les actualités. UnitedVision.fr. Bing. Les actualités. Flux RSS. 7 titres. 69 liens. Comme vous voyez, pas de problème. Sur Internet, on peut naviguer via le Insert F7. Boîte de dialogue liste des liens. Vue de liste liens. Écoutez avec Bruce et Allo. Échappe. Les actualités. Alt-F4. Outlook 2010. Envoyez et recevez des messages électroniques. Gérez votre emploi du temps. Voilà, donc vous voyez votre ordinateur disponible n'importe où, sur n'importe quelle télé. Plan et point 2010. Soft utilisateur. Vocabox. Box1.word 2010. Localisateur. Le localisateur. Copyright c'est Philippe. Entrée. On va sur le localisateur, par exemple. Boîte de dialogue de localisateur. Internet plus accessible. Le localisateur version 7. 2. 0. Philippe Léon. Zone de liste catégorie. Mes favoris. 1 sur 18. Vérification des mises à jour. Boîte de dialogue de localisateur. Nouvelle version disponible. Voulez-vous télécharger et installer la version 7, 4, 0, B ou ton oui? Alt plus haut. On va valider pour la mise à jour. Alto. Boîte de dialogue de localisateur, Internet plus accessible. Le localisateur version 7, 2, 0, Philippe Léon. Zone de liste catégorie, aucun élément sélectionné. 1 sur 18. Alt plus C. Zone de liste catégorie. Mais bouton annulé. Bouton télécharger et installer. On va tout de suite faire la mise à jour. Entrée. Bouton annulé. 1%. 100%. Boîte de dialogue installation du localisateur. Internet plus accessible. Vous allez installer le localisateur version 7. 4. 0 copyright Philippe Léon avec le soutien de la Fondation Valentin H.A.E.Y. Bouton suivant. Entrée. Bouton annulé. Boîte de dialogue installation du localisateur, Internet plus accessible. L'installation s'est terminée avec succès. Consultez la page Flash Info pour connaître les nouveautés. Abonnez-vous à la liste de diffusion pour rester informé. Rendez-vous dans la rubrique localisateur, bouton lancer le localisateur. Table, bouton terminé. Table, bouton lancer le localisateur. Entrée. Boîte de dialogue de localisateur sur Internet. Le localisateur débarque sur Internet. Vérification des mises à jour. Aucun élément sélectionné. Annuaire. Commerce en ligne. Culture générale. Chaîne YouTube. On a la possibilité d'aller sur chaîne YouTube. Entrée. Zone de liste. 8 pages. 2 sur 9. 01 Net TV. Micmac Michael Launay. Canal Academy. Christophe Taquet. Handicap. Et on a même ma chaîne qui apparaît dans le localisateur. On va valider. Localisation en Christophe Taquet, handicap chaîne YouTube, 1 sur 18. 16. Vidéo. Présentation du localisateur. 1. 2 vidéos. Toute la gestuelle accessible au malvoyant Galaxy Tab, A636 Marshmallow Voice Assistant 2017, 02, 22. On peut même donc lancer une vidéo. Entrée. Lancement du flux, F4 permet de l'arrêter, CTRLT lance le navigateur sur le flux. Voilà, donc la vidéo sur la Jawsbox Vocabox est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez surtout pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner à la chaîne pour continuer à me suivre sur la chaîne YouTube. Pour le petit concours, les trois premières personnes qui appelleront chez Cessia, il faudra absolument que vous soyez abonné à la chaîne. Si vous êtes dans les trois premiers, eh bien vous bénéficierez pour l'achat d'une Jawsbox. Alors la Jawsbox coûte 990€ et l'option Vocabox vous sera offerte, c'est-à-dire l'option coûte 100€. Vous aurez donc l'option Vocabox offerte. Je répète, il faut que vous soyez donc abonné à la chaîne, que vous appeliez la société Cessia et lors de votre appel, il faudra bien dire que abonné à ma chaîne, vous avez vu la vidéo et vous désirez commander une Jawsbox. Je vous remercie beaucoup d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Moi, je vous dis donc à bientôt pour la prochaine. Salut !